la case numéro 12. 21. Et oui, 21 du calendrier de l'Avent, quand on raconte des bêtises. Non, c'est quand c'est vrai, mais lui, en fait, il s'est trompé sur les deux calendriers. Et oui, la dernière fois, c'est vrai. Quand on était le 12, il a ouvert les cases numéro 21. Donc pour lui, ce sera les cases numéro 12 aujourd'hui, les amis. Quentin avait fait des bêtises. Il s'est un peu trompé. Et Océane va ouvrir les vraies cases parce qu'on est le 21 décembre. Il ne reste plus que 3 dodos. 3 jours. Mais avant le 24. Pourquoi il y a la 1, 2, 1, 2, 3, 3 et 4, ben oui, on a une nouvelle lune, après il ne reste plus que 3 jours avant le réveillon. Ah oui, c'est bête. Alors bien sûr, avant d'ouvrir les cases, on va faire quoi? On va dire le nom de 6 gagnants. Et oui, il y avait 6 gagnants hier. Attention, ceux qui ont gagné le fameux Kinder qui est ici. C'est 6, c'est... Ah bon, ben Océane, elle va déjà donner le nom. Mathilde, Kevin, Tom, Loïc, Jessica et Thomas. Bravo les loulous, bravo, on vous envoie des gros bisous, des gros bisous, on vous dit un grand bravo, merci à tous ceux qui ont participé, vous êtes toujours aussi nombreux les amis, mais bien sûr c'est un tirage au sort par internet, donc on aimerait bien que tout le monde gagne, mais c'est pas possible les amis, c'est pas possible, donc vous pouvez retenter votre chance ce soir jusqu'à demain, parce qu'il y en a encore un à gagner. Voilà, jusqu'au 24. On vous dira tout à la fin de la vidéo pour ceux qui ne suivent pas nos vidéos, parce qu'il y en a, il y en a des nouveaux hein, tous les jours qui viennent voir les vidéos. Ouais. Donc on expliquera comment on fait pour gagner ce bonhomme Kinder. Sans plus attendre, on va ouvrir quand même les cases des calendriers de l'Avent. Donc on alors, y va. La 12. Ou aller la 21, c'est la commande. Comment ça, il ouvre ce calendrier de l'Avent? Comment c'est la 21? Allez là. Voilà, 1, 2 et 1. Alors, pour le calendrier Haribo, on a eu des Christmas. Alors, comment t'as eu des Christmas? Haribo, Christmas. Voilà. Des nounours. Donc, c'est avec une petite illustration, avec une petite cloche. Et une boule de Noël. Des et du coup. Comme ça. Ouh des nounours comme ça, moi. Et dedans, et ben, il y a des petites figurines à effigie de Noël, en fait, de petits sujets. En bonbon gummy, un ourson d'or. Invasion de pièces. Oh, invasion de pièces pour Quentin dans le calendrier Playmobil. Alors Quentin, il a eu plein de pièces. Bah, c'est le butin. Alors Quentin, il a eu plein de pièces. Quentin, c'est laquelle qu'on va ouvrir? Peut-être qu'on va éviter de les ouvrir là, en vidéo. Peut-être qu'on va ouvrir celle-là. Sinon, il va y en avoir partout, non, Loulou? C'est pas elle. Loulou, tu les ouvres tout de suite ou tu les ouvriras plutôt dans ta chambre? Plutôt dans ma chambre. Ouais, parce qu'on risque de les perdre. En plus, il y a clochette dans les parages. On risque de faire des bêtises, comme d'habitude. Un deux et un. Et Océane dans son calendrier Haribo, donc comme c'était la case numéro 21 pour Océane, quand t'en as 11, donc ils n'ont pas la même chose. Donc c'est l'ourson d'or qui est le tout premier. Un ourson d'or, c'est quoi? Le tout premier bonbon Haribo. Voilà, le tout premier bonbon Haribo. J'ai ouvert un 2-1. Alors Océane, vas-y, le 2 avec le 1. J'ai ouvert. Non, ça c'est le 12, Océane. Ça c'est le 2 avec le 1. Pas le 1 avec le 2. Alors on y va. Ça va faire comme moi, tu vois. Alors 2 avec un 1. Alors 2 avec un 1. Alors tu vois à quoi ça ressemble? Tu vois? Regarde en bas. En bas, près de la tête de ton petit poney là, violet. Tu vois la tête du petit poney violet? Ben voilà, tu as trouvé? On va l'enlever lui. Lui nous gêne, nous gêne. Il s'invite dans la vidéo à chaque fois. Ah, ils sont bons les bonbons loulous. Dites-moi, ça s'est bien passé votre journée à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose de spécial aujourd'hui? Oui, et le Père Noël, il a venu dans mon classe. Et nous, on a fait un goûter avec le Père Noël. Vous avez fait un goûter avec le Père Noël, dis donc? Et nous, il y avait du jus d'orange à la cantine. Ouais. Il y avait du jus d'orange, il y avait quoi d'autre? Des papillotes. Des papillotes aussi. Et moi, j'en ai gardé une pour mon frère. Et aussi, aujourd'hui, j'ai reçu ma photo de classe avec... une bougie que j'ai faite moi-même avec ma plantation de lentilles. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu un petit. C'était une petite. C'était un petit rond de fromage camembert. Et dessus, il y avait un lutin. Alors, je vais vous montrer en fait les créations que Corentin et Océane vous expliquent dans le vidéo. Tu peux aller chercher
qu'ils ont fait à l'école. Donc voici pour Océane. Donc elle a fait une petite plantation, fait de la mousse à gamme. Regardez le gros loup. Ling 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 ling. C'est une boîte de camembert toute décorée, toute mignonne, avec un petit lutin qu'on a mis dans la crèche. Moi, j'ai eu ça dans mon calendrier, arrivé. Et Océane, on a eu quoi dans son calendrier? Du coup, on se parle un petit peu, donc elle a eu un crayon. Ben, il n'y a plus d'enfants. Ça y est, ils sont partis, ça y est, je suis toute seule. Donc, écoutez, je vais prendre leur place, hein. Ah, ça c'est n'importe quoi, ce vidéo, les amis, c'est n'importe quoi. Et Océane, elle a eu un petit crayon bleu, là. Voilà, un petit crayon bleu, un crayon pour les yeux. Et pourquoi on voit ça, vous êtes donc... Ah non, par contre, on ne montre pas la photo parce qu'il y a les copains qui ne veulent peut-être pas passer en vidéo. C'est pour rouge à lèvres, on n'oublie pas. Non, c'est pour les yeux, celui-là. Non, c'est bon. Dessus le... Oui, bah ça, il est très bon. La plantation de lentilles. Il peut crever un œil. Bon. Oui, il faut faire très attention avec les crayons dans les yeux, les amis. Alors, je reprends ma place, hein, ça devient n'importe quoi. Il faut bien fermer les yeux. C'est n'importe quoi. Et Corentin, qu'est-ce qu'il a fait à l'école alors? Une bougie avec de la peinture qui tâche vraiment. Même donc voilà, Corentin a fait avec du une amphore. Trop mimi pour Noël, on va avec mettre du ça. Or. On va mettre ça sur la table. On éclairera la bougie quand on va faire le repas de Noël. Donc les amis, bah dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez fait des petits cadeaux pour Noël. Hein. On est curieux de savoir. Moi j'aime bien les petits cadeaux comme ça. Et moi avec le truc, attendez, j'avais... Ah oui, Océane a fait une petite carte aussi avec très très jolie petite avec carte. Avec écrit Joyeux Noël. C'est moi qui ai écrit Joyeux Noël. Voilà, très jolie petite carte. J'ai écrit Joyeux Noël. Oui, c'est très bien écrit. C'est toi qui as écrit toute seule? Bravo. Sans modèle. Et c'est un mystère. Alors dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez fait des petits cadeaux pour Noël. Moi j'aime bien savoir, je suis curieuse. J'aime bien ces petits souvenirs. Après on les garde, on les met partout dans la maison. Moi j'adore ça. Alors les amis, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez fait à l'école. On a eu aussi le repas de Noël à la cantine. Et ouais, c'était bon. Et le Père Noël, oui. Oui, c'était bon, mais c'est toujours bon à la cantine. Et le Père Noël, on avait eu des sucettes au chocolat. Et des sucettes au chocolat, bah dis donc, vous en avez eu des choses. Hein. Non, mais pas dans la cantine. Dans la classe, ah bah oui. Allez loulou, bah écoutez, on a ouvert les calendriers là-bas, on a montré les cadeaux, on a tout fait. Donc maintenant, on va peut-être passer au jeu concours, non? Bah oui. Alors attention. Alors jeu concours. Il va falloir vous poser une question que Océane apparemment connaît la question. Alors vas-y. Ouais. Quoi? Il sert de crayon. Ah, le crayon que Océane a eu dans son calendrier l'avant. Oh, j'ai cru de quel type. Il s'utilise pour quoi? Attention, dites-nous, répondez à la question dans la description. Eh ben non. Dans les commentaires. Eh ben non. Dans le mail qui s'affiche en bas. Voilà, dans le mail qui s'affiche en bas ici là, vous pouvez donner la réponse à la question d'Océane donc. À quoi sert le crayon qu'elle a eu dans son calendrier d'avant? À se déboucher les orteils. Oh, vous laissez les amis, Corentin, il a envie de faire des blagues. On vous fait des gros bisous. Bien sûr, il faudra être abonné pour participer. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. À laisser un petit... pouce vers le haut. Et si, puis, bah écoutez, bah non, ça j'ai déjà dit. Donc, on va faire des gros bisous. Bah, abonnez-vous. Bon, on l'a déjà dit, louloute. On fait des gros bisous et puis on vous dit ciao, ciao, les amis. Il sert à ce que l'on y ait le nombril. Bisous, mec.